Good morgen, allez, Yiden, les Suisses, aujourd'hui, le Nishmat, Dov, Ben Yudit, et Vetaraman, Ben Chedva, Chaya Esther, Bat Miriam, Yitzhak Perez, Ben Fortuna, et Chaim Michael, Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez la communauté éternelle. Nous étions à Sechat Shabbat, Perikyud, Mishnah Vav, Hanotel, Zipornav, Zobazo, Obeshinav, Vechen Searo, Vechen Sfamo, Vechen Zekano, Vechen Agodelet, Vechen Akochelet, Vechen Apokeset. Rabbi Eliezer Mechayev, Vachachamim Osrin, Meshum, Shevut. Atolesh Matzitz Nakuv, Chayav, Veshanon Nakuv, Patur. Rabbi Shimon Poter, Bazé ou Bazé. On a fini avec la melacha de Moti, Mirshut, Mirshut, l'interdit de transporter pendant Shabbat. À présent, on va commencer à découvrir toutes sortes de melachot, toutes sortes de sujets. Et le premier, ça va être Anotel Tsipornav, je ne sais pas selon quel ordre, j'ai souvent réfléchi à l'ordre des Mishnayot, selon quel ordre elles ont été sélectionnées. Et il y a parfois des petits rapports, bien sûr, parce que si on a évoqué un sujet, alors on continue dessus, mais c'est assez compliqué, c'est pas tellement structuré, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas selon quel ordre c'était sélectionné, mais en tout cas on commence avec Hanotel Tsipornav Zobezo, celui qui va se couper les ongles avec les mains, avec les ongles. C'est-à-dire, il se coupe les ongles avec les ongles. Il s'arrache les doigts. Ou encore, Obeshinav, ou bien avec ses dents, il se ronge les ongles. Vechen Searo, idem encore, il s'arrache les cheveux avec les doigts. Il a un nœud, il s'arrache les cheveux par exemple. Vechen Sfamo, ou encore, pas que les cheveux, même la moustache. Sa femme, c'est la moustache. Vechen Zkano, ou encore sa barbe, il s'arrache les poils de barbe avec les doigts. Ou encore, Vechen Agodelet, celle qui, de même pour celle qui va tisser ses cheveux, c'est-à-dire qu'elle va se faire en fait une natte. Le Barthénois nous traduit, c'est à Rocha Vekola Toto. Elle colate, elle fait une clia. Une clia, c'est qu'elle tresse. Vechen Agodelet, Vechen Akochelet. Kochelet, c'est celle qui va se teindre les yeux, elle va se mettre du bleu autour des yeux, du mot kachol, le bleu. Vechen Apokeset. Et idem pour celle qui va se séparer les cheveux en deux. Elle va se faire une belle raie au milieu. Une femme ou un homme, ça revient en même, je pense. Le Rabbi Eliezer Mechayev, dont tous ces cas de figure, Rabbi Eliezer condamne, c'est-à-dire qu'il pense qu'on transgresse un interdit minatora, la Chachamim Osrim Mishum Shevut. Tandis que Chachamim disent que tous ces interdits ne sont que midérabanan. On va faire un petit peu d'ordre dans la Mishnah. Bon, vous avez vu qu'il y a la première série qui touche à l'interdit de Gozez. L'interdit une des Melachot, vous vous rappelez, on avait dans la Perek Zain Mishnah Bet, on avait les Avot Melachot Arbaim Chasamachat, et là-bas on avait toute la liste des 39 travaux. Et les 11 premiers concernaient l'agriculture, plutôt pour fabriquer jusqu'à la fabrication du pain, on les a tous organisés. Zoréa, Choresh, Kotser, Mamer, Dash, Zoré, Borer, Toresh, Tochen, et comme ça on les a tous jusqu'à l'âge Veofé. Ceux qui pétrissent, c'est le qui va faire cuire. Après, on change de sujet et on commence maintenant à s'intéresser aux travaux des habits. Chachamim, ils ont organisé dans la Mishnah les melachot selon des thèmes, en fait, comme ça on s'en souvient plus facilement. C'est des melachot qui s'enchaînent. Et après, on va voir à Tzatzvi, celui qui va le Tzad. Bon, et après, on va voir une série à Gozez et Tatsemer. À Gozez, il y a une melacha là-bas, celui qui va tondre la laine. Gozès, donc tondre la laine, et on déduit de là donc, en fait, tout ce qui pousse sur un corps humain que l'on va couper, on est confronté à l'interdit de Gozès. En l'occurrence, se couper les cheveux à Shabbat, avec des ciseaux, ou les ongles avec des ciseaux, se raser. Selon tous les avis, on transgresse un interdit minatora, à partir du moment où on va couper deux cheveux. Si on coupe qu'un seul cheveu, il n'y a pas d'interdit minatora, la quantité c'est au moins deux cheveux. C'est comme ça, le Barthénoir il fait un petit point à l'Afrique à la fin. Mais, donc deux cheveux, contre un interdit minatora, ou encore celui qui va arracher un poil blanc au milieu d'un poil noir avec un ciseau, eh bien il transgresse l'interdit minatora aussi. Maintenant, par rapport à notre Mishnah elle va nous parler d'un cas de figure particulier, c'est qu'au lieu de faire avec un ciseau ou avec un ustensile qui est adéquat, il va le faire avec les doigts. Alors il y a une machloquette sur ça. Selon Chachamim, c'est pas conventionnel, c'est pas comme ça qu'on fait. Il n'a jamais pratiqué le coiffeur et il a les ciseaux cassés et il va commencer à nous arracher les cheveux. D'accord? Ni la manucure, elle ne va pas se mettre à découper ni avec les dents, ni avec les doigts.
Donc l'usage de se couper les cheveux et de se raser, c'est uniquement avec un ustensile, donc c'est la manière conventionnelle. Comme ça, on transgresse l'interdit Minatora. Tandis que si on le fait avec le doigt, on transgresse un interdit de shvout, ça veut dire c'est un interdit Midrabanan. Shvout, c'est un interdit de ne pas faire quelque chose qui ressemble à un travail. C'est Midrabanan, ça veut dire. Et Rabbi Eliezer, il condamne dans tous ces cas de figure, probablement parce que tant bien que mal, enfin, précision importante, et la Gemara elle explique, c'est que quelqu'un ne le fait que pour lui-même. S'il le fait pour quelqu'un d'autre, alors c'est pas l'usage de couper les ongles de quelqu'un d'autre avec les doigts, avec les dents, quoi. D'accord? Mais pour soi-même, ça peut encore entrer en usage, ça arrache un cheveu qui dépasse, c'est aussi une solution parfois de... Tel est l'avis de Rabbi Eliezer sur la première série. Donc on est arrivé jusqu'à Zkano, maintenant il nous reste les trois cas de figure. Godelet, Kochelet, Pokeset. En fait, c'est trois qui font en fait deux. On a, je ne sais pas non plus l'ordre, comment il est organisé, il aurait mieux fallu mettre Godelet et Pokeset parce que c'est le même thème, et Kochelet c'est autre chose. Je commence avec le Kochelet. Kochelet, c'est qu'elle met du bleu sur les yeux. Barthénois, il rapporte qu'elle transgresse l'interdit d'écrire pendant Shabbat. Le Tosafot Tov explique que la Gemara, elle conclut que c'est pas la raison. La raison, c'est plutôt l'interdit de teindre, de se mettre une teinte. Et Chachamim dispense parce que ce n'est pas Shel Kayama, ça ne dure pas, c'est pas fait pour durer longtemps, c'est fait pour être supprimé tout de suite. Godelet Pokeset, alors là, ça devient un peu plus délicat. Godelet, on va parler d'abord de Godelet, celle qui fait une natte. Interdit de faire une natte à Shabbat, quoi qu'il arrive, selon tous les avis, même d'après Rabbanan. Sauf que d'après Rabbanan, c'est un interdit Chachamim, c'est un interdit Mid Rabbanan. Tandis que d'après Rabbi Eliezer, c'est un interdit Minatora. Il y a quelque chose de très original, c'est que il y a marqué que lorsqu'Hachem a créé Adam Rishon, après il l'a endormi et il lui a pris la côte et il a vaïven et tatsela, il a construit la côte. La Torah a utilisé le mot de construire pour fabriquer un être humain. On déduit de là que Rabbi Eliezer déduit de là que l'on est confronté à un interdit de construire pour tout ce qui va toucher à l'amélioration de l'être humain. En l'occurrence, faire une belle natte, coiffer bien la femme, ou même pour Kesset, c'est lui séparer bien les cheveux en deux, il y a en cela un interdit Minatora, qui est déduit de Vaïven et Tatsela. Il a construit la côte. Donc on construit. Ok? Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, tandis que Rabbi nous dit non, il n'y a qu'un interdit Midrabanan à cela, parce que, bon, c'est vrai que ça ressemble à construire, mais c'est que Midrabanan, c'est pas réel. C'est pas réel dans l'absolu, dans la Torah elle-même. D'accord? La halakha, c'est bien tranché comme ça. Siman Shin Gimel, Seif Rava, vous avez qu'à regarder, on n'a pas le droit. Asur Likloa, Isha, Sehara, Bishabbat. Elle n'a pas le droit de se faire une natte à Shabbat. Velo Latir Kliata, elle n'a pas le droit non plus de se défaire une natte à Shabbat. Parce que c'est un interdit de Boneyo, c'est un interdit de Sauter, même si c'est que Midrabanan. Avali Cholal Achlok Sehara, le Chanor, il nous dit qu'on par contre a le droit de se séparer les cheveux en deux, de se faire une bête au milieu. Tandis que le Rama nous dit Veyesh Osrim pour les Ashkenaz, il y en a qui interdit. Vechenna Agul Esor. La sotte, elle est décli. Ah, on interdit de faire avec un. Les Ashkenazes, ils interdisent de le faire avec un. En utilisant un ustensile, avec une broche, par exemple, ou avec un. Quelque chose de corde bien séparé proprement. Mais avec les doigts, ils permettent. L'interdit, cette fois-ci, c'est plus. Il rapporte le Mishnah Berurah, à cause Mishum Chash Tlisha. De peur que lorsqu'elle va commencer à se. Bien se faire une belle raie au milieu ou sur le côté, peu importe. Que machinalement, elle va se mettre à arracher un cheveu. Ok? On a fini la première série de la Mishnah, deuxième série de la Mishnah maintenant, Atolesh Matitz Nakuv Chayav. Celui qui va cueillir d'un pot de fleurs, pot de fleurs Nakuv, qui est perforé, il est Chayav, tandis que Veshenon Nakuv, par contre, s'il n'est pas perforé, le pot, pas tout, il sera dispensé, tandis que Rabbi Shimon Poter Bezo Bezer, Rabbi Shimon dispense dans les deux cas. On explique de quoi on parle. L'interdit, maintenant, on se réfère à l'interdit de Kotser, de cueillir à Shabbat. L'interdit de cueillir à Shabbat, c'est de cueillir tout ce qui pousse. Il y a une grande originalité, en fait, c'est que ce n'est pas le simple fait qu'il y a un végétal qui vit. Il faut un végétal planté dans la terre, à la différence d'un végétal qui est planté dans un pot. Alors là, on va prendre un cas extrême, puis après on va arriver à la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi. Premièrement, si j'ai chez moi à la maison un petit pot de fleurs, qui est dans un pot avec des fleurs qui poussent, certes, il y a de la vie dans ça, mais... Pas, par rapport à la Torah, on ne considère pas que c'est quelque chose de planté. Planté, ça doit être planté dans la terre. Dans la terre, dans le sol, sur la planète, comment dire, sur la planète Terre. D'accord? Planté, bah, Adama. Dans la Adama, la Terre. Et à la différence du pot, que là, je ne transgresse pas d'interdit Minatora. C'est considéré comme un mitaltel, c'est pas comme quelque chose qui se déplace, c'est pas considéré comme quelque chose de fixé.
Ça, c'est d'abord si le pot de fleurs il est bien fermé et que je le fais pousser chez moi. Maintenant, il y a un cas de figure particulier, je donne la généralité, après on va rentrer dans les détails, c'est que si toutefois le pot de fleurs, il est certes dans un pot, mais le végétal, il est quand même en contact avec le sol, parce qu'il parvient à puiser un petit peu de l'humidité, des forces du sol. Il y a longtemps qu'on avait étudié le Rojvit dans 5 minutes, on avait parlé un petit peu de ça, du principe. C'est toujours la loi de Rojvit, celui qui faut poser dans un petit pot de fleurs chez lui quelque chose, il transgressera pas l'intérieur, il ne sera pas concerné par la loi de Rojvit. Mais si toutefois il le fait pousser à l'extérieur et que ça puise du sol, on a même. Alors maintenant le cas de figure, c'est par exemple il y a un trou dans le pot. Ou encore même, il y a un autre truc qui n'est pas rapporté ici, mais qui existe, c'est si le feuillage dépasse. Ça n'a pas rapporté ici, il y a des raisons. Ne mélangez pas tout, enfin. Ne déduisez pas directement, il y a des petites nuances, parce que, enfin, c'est que mes banane, c'est que parce que ça a l'air. Mais par rapport, en tout cas, c'est le Hatzitz, il est Nakouf, si le pot, il a un trou, que ce soit en dessous ou même sur le côté, de manière à ce qu'il y ait une épaisseur où il peut y avoir une racine qui va sortir par là-bas, eh bien, dès lors, le végétal puise des forces du sol. Si ça vous intéresse pour l'anecdote, j'avais entendu une fois que. Le stapler, on est parti voir le stapler en lui posant la question, en lui disant, mais c'est quoi ces histoires? Ça puise du sol. Il a dit, viens, je vais te montrer. Il l'a amené. Il y avait on s'appelle les balatotes, le revêtement du sol, les dalles israéliennes de l'époque. Il l'a amené dans un endroit où il y avait un pot de fleurs qui était suspendu, qui était troué, en l'occurrence, c'est-à-dire qui n'était pas bien, bien fermé. Et il était un peu surélevé, donc il n'était pas directement au sol. Et il a cassé la dalle. Et il lui a montré qu'en dessous, il y avait c'était un petit peu creusé, c'était un peu plus usé. Il a dit, tu vois que ça puise. Je sais pas, comme ça on raconte, j'avais entendu cette histoire il y a une vingtaine d'années, sans l'avoir bien écouté, donc ne vous appuyez pas trop dessus. En tout cas, pour ce qui nous concerne, ça puise du sol, ça prend des forces du sol, et ça signifie, donc, Chachamim considère ça que c'est planté dans la terre. Même si c'est pas franchement planté dans le sol, donc il y aura un interdit de cueillir d'un tel pot de fleurs. C'est de selon Chachamim. Tandis que Rabbi Shimon dispense complètement parce qu'il nous dit non, c'est pas considéré comme mechoubar, c'est pas considéré comme fixé au sol, donc il n'y a pas de riouv sur cela. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, kol tov, salam.